Yo les gens, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à installer et à utiliser Nitro Blast. Donc dans la description, je vais mettre le lien vers cette archive .zip, donc vous l'aurez. Vous allez tomber sur ces deux fichiers. Donc vous allez aller dans le fichier où vous avez installé Cinema 4D, donc vous l'ouvrez. Vous allez aller dans Plugins et là vous faites glisser Nitro Blast dedans. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc ensuite vous allez aller dans Cinema 4D et pour bien finir l'installation vous allez dans Préférences Générales, puis ouvrir Dossier des Préférences ici, et là vous allez faire glisser Nitro Blast Style dedans. Donc je vais rouvrir le fichier comme ça, et donc là vous faites glisser Nitro Blast Style ici. Donc là je vais pas le faire mais parce que je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, Nitro Blast est bien installé, et là je vais vous montrer comment faire un beau logo avec Nitro Blast. Donc vous allez d'abord importer votre fichier .ai, donc moi je vais prendre celui de la DAR qui est ici. Voilà, donc je le fais glisser comme ça. Vous allez créer les deux extrusions NURBS sur ce logo ici, comme ceci. Vous allez faire glisser les tracés dans les extrusions NURBS. Voilà. Ensuite, vous allez choisir une profondeur. Donc moi, je vais mettre 60. Alors ensuite, vous mettez couvercle Libido pour les deux. Et vous allez mettre le rayon à 0.356 comme ceci. Voilà, donc là vous pouvez mettre une texture, donc moi je vais mettre celle-ci. Voilà, alors ensuite vous allez créer un neutre, donc dans objet neutre vous allez faire glisser vos extrusions NURBS dedans. Ensuite vous allez dupliquer ce neutre, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous allez créer un réseau d'atomes, donc dans ce petit logo, sur ce petit icône ici. Voilà, vous faites glisser ce neutre dans le réseau d'atomes et vous allez mettre le rayon des cylindres à 0.7 et le rayon des sphères également. Voilà, ensuite vous pouvez mettre une texture assez colorée dessus, donc comme ceci. Donc vous pouvez voir, ça fait de beaux contours. Vous allez redupliquer votre neutre de base, donc CTRL-C, CTRL-V, et vous allez placer les couvercles Libido à 1.5, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, donc vous reculez ce nouveau neutre, voilà, comme ça, et vous allez prendre votre neutre de base, et vous allez choisir les deux extrusions NURBS. Allez dans Python, module externe et Nitro Blast Main. Vous allez mettre la qualité à extrême, 50 pièces et fracture. Donc c'est assez rapide comme logiciel, enfin comme plugin pour Cinema 4D. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez choisir des pièces à changer de couleur, donc par exemple comme celle-ci. Donc vous faites une texture plus claire, vous la faites glisser dessus, vous avancez un peu vos pièces pour faire un effet plus stylé. Donc voilà, vous mettez des couleurs comme ça, vous avancez un peu vos pièces, par exemple celle-là vous avancez comme ça. Donc ça, bon, ça vous faites comme vous voulez. Moi je vais faire un petit peu comme ça. Vous mettez une petite texture. Voilà. Donc vous répétez l'opération plusieurs fois. Excusez-moi, petit problème technique. Donc voilà, je reprends. Donc vous bougez vos pièces comme vous le voulez pour faire un effet sympa. Donc comme ça, etc. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous choisissez le lieu d'enregistrement de votre fichier.
Voilà, je vais l'enregistrer comme ça. Voilà, ensuite vous faites le rendu et on se retrouve juste après. Allez, à toutes. Une fois que le rendu est terminé, je vais vous montrer certains effets qui peuvent être assez stylés sur le texte. Alors donc vous importez votre logo terminé dans Photoshop. Donc moi j'ai déjà mis une petite color correction. Donc vous allez double-cliquer sur le calque, incrustation dégradée. Vous les mettez en incrustation. Vous diminuez l'opacité aux environs de 75%. Vous allez mettre le noir, enfin vous allez mettre plus en gris, plus comme ça, voilà. Vous allez mettre une petite ombre reportée. Donc vous mettez la distance à 0, vous augmentez le grossi légèrement, la taille également, donc comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez dupliquer ce calque, donc CTRL J, comme ça. Ensuite, vous allez aller dans Filtre, Galerie de filtres. Vous allez aller dans Esthétique, Contour lumineux. Et là, vous allez mettre les réglages aux environs de l'épaisseur 1, la luminosité aux environs de 9-10, et le lissage environ à 7. Donc vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous diminuez l'opacité aux environs des 30%. Ensuite, vous allez dupliquer le calque et vous allez le mettre en superposition. Comme ceci. Et là, vous augmentez l'opacité vers les 70%. Donc ensuite, vous allez fusionner les calques comme ceci. Si vous trouvez que le texte, que le logo est trop noir, vous pouvez l'éclaircir en prenant l'outil ici, et puis mettre la couleur en blanc. Donc vous allez créer un nouveau calque sur ce petit icône, et vous allez passer les zones où vous voulez que ce soit plus clair. Donc comme ceci, voilà, en gros comme ça. Moi j'aimerais bien que ce soit plus clair comme ça, et ensuite vous mettez en incrustation. Si vous trouvez que c'est un peu trop clair, vous diminuez un peu l'opacité, comme ceci. Vous pouvez également encore fusionner les calques, dupliquer le calque, donc CTRL J, filtre, peinture à l'huile, et là vous mettez ces réglages-ci. Donc en stylisation, aux environs de 2,50, netteté aux environs de 1, échelle aux environs de 2,50. Après, vous pouvez juger en fonction de votre logo. Direction angulaire, vous ne changez pas, vous laissez à 300. Et brillance, vous mettez à 0. Vous faites OK. Voilà, donc vous voyez une petite différence. Et vous pouvez diminuer un petit peu l'opacité aux environs de 80, de 85%. Voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Allez, à plus.